Et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Je suis hyper en retard. Il est actuellement 9h05. Normalement je mets une heure pour aller au Panthéon. Donc on va aller à ma pré-rentrée. Donc c'est au Panthéon, genre c'est un grand amphi, un super bel amphi qui est super bien. Donc on va y aller là. Je vais vous montrer avec mon téléphone parce que ma caméra c'est vraiment pas très discret. Du coup c'est parti, il fait super chaud. Il fait au moins 25 dehors alors qu'il est 9h du mat, je n'en peux plus, je suis en sueur. C'est parti pour cette pré-rentrée. Bon, nous sommes dans le 5e arrondissement. Ça fait, sans vous mentir, un an et demi que j'ai pas pris le métro. Ça fait trop bizarre de venir dans Paris. Avant c'était mon quartier quoi. Et pour ceux qui ne savent pas, j'étais en double licence droit Sciences Po. Et j'étais au Panthéon pendant 2 ans. Donc bah j'ai beaucoup connu le Panthéon et Sorbonne. Et la Sorbonne, pardon. Je suis essoufflée, j'ai jamais autant monté de marches. Je suis descendue à la place, non, j'aurais pas dû. Il y a trop de marches. Regardez comme c'est beau. C'est trop joli. C'est trop beau. Regardez comment c'est beau. Et là, c'est le lycée Henri IV, normalement, si je dis pas de conneries. C'est un très très grand lycée pour les intellos. Et regardez ça, comme c'est beau. C'est trop beau. Là, on arrive au Panthéon, donc c'est là-bas. Donc là, t'as le Panthéon, donc là, c'est le derrière. Là, c'est là où on mangeait à chaque fois avec les copains. Et donc là-bas, là, dans cette rue, vous avez une bibliothèque avec les meilleurs cappuccinos du siècle. Là, vous avez la mairie du 5e. Et là, c'est le Panthéon. Oh, regardez comme il est beau. Et là, en fait, c'est l'entrée de la faculté de droit. Bah oui. C'est là, le Panthéon. Et derrière, en fait, vous avez la Sorbonne qui est un peu plus là-bas. Et donc l'entrée du Panthéon se fait par là. Et c'est trop trop beau à l'intérieur. Ouais, bien ça y est, j'ai fait ma pré-rentrée. J'ai pas pu vous montrer l'intérieur parce que vraiment c'était hyper speed et il y avait beaucoup de profs derrière moi qui voulaient avancer. Du coup, on était dans un grand amphi, donc c'est l'amphi 2A. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Et ils nous ont annoncé un petit peu la couleur. Ils nous ont parlé de tout ce qui était stage. C'est un peu flou encore, donc il faudra que j'aille voir la responsable des stages pour essayer de gratter pour YouTube. Parce que YouTube, il y a des droits, des contrats, il y a de la gestion, il y a de la comptabilité, il y a un peu de tout en fait. Donc ça serait plutôt pratique que Truffaut par exemple. Donc il faut que je vois ça et il faut que je trouve en fait un tuteur pour si je peux faire YouTube, il faut que je trouve un tuteur. Et j'aimerais bien lui demander si je peux avoir comme responsable administratif en droit mon tuteur. J'ai revu aussi un pote de classe que je kiffe trop, il est trop drôle. J'ai fait la petite visite de la Sorbonne, je me suis perdue à un moment donné, tellement c'était grand, ça a changé de ouf. Ils ont rajouté plein de cafettes et tout, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Il fait chaud. Voilà, il fait chaud. Bon, je viens de rentrer, je vais faire un petit débrief de cette pré-rentrée. Je sais pas si ça a été vraiment utile d'y aller parce que toutes les informations qu'ils ont données en fait dans cette rentrée, on les avait sur le site. Donc c'était pas forcément utile, mais bon. Alors, pour cette pré-rentrée, ils ont parlé donc des matières et en fait, on a le cours le samedi matin et en fait, il y avait cours de 9h à midi et de 13h à 16h. Donc je me disais 6 heures de cours, c'est un peu bizarre. Cette nuit j'ai un peu réfléchi, je me dis ouais soit c'est des demi-groupes puisqu'on est nombreux. Après je me suis dit non mais en fait le prof il veut faire cours juste sur les 6 semaines en fait, sur la moitié du semestre en gros. Ça s'est avéré juste, c'est un prof qui habite en Suisse et qui travaille donc en France, il a tout compris ce mec. Et il veut en fait essayer de pas trop se déplacer, je comprends parfaitement, donc il nous a mis cours le samedi, donc 6 heures de stratégie bancaire. Ça va être assez lourd je pense, mais ça dure que 6 semaines, donc faut que j'ai envoyé un mail à mon employeur pour voir si c'était possible de travailler uniquement le dimanche pendant 6 semaines. C'est avant en plus toute la période de Noël, donc j'espère que ça posera pas de problème. Ensuite elle a parlé des stages, la dame, faut vraiment que je prenne rendez-vous avec la dame qui s'occupe des stages, puisque pour faire un stage
Elle n'a pas parlé d'horaire par contre, ça c'est dommage. Et merci aussi à tous les abonnés qui m'ont répondu sur ma story Insta pour les stages, j'avais besoin de conseils, vous avez été nombreux à répondre, donc merci beaucoup. Donc elle n'a pas parlé du taux horaire, je pense que c'est un stage en temps complet, pas en 10 heures ou autre. Et il parle aussi d'une expérience professionnelle. Alors Truffaut, c'est une expérience professionnelle, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, mets pas ça dans ton CV en tant que hôtesse de caisse, c'est pas très valorisant. » C'est clair que le métier hôtesse de caisse n'est pas un métier... Enfin, c'est un métier comme un autre. Hein. Par exemple, pour mon master, s'il y a une meuf qui a exactement le même parcours, les mêmes notes que moi, et que moi j'étais en hôtesse de caisse et qu'elle était dans une entreprise de renommée mondiale, il n'y a pas photo en fait, on sait qui va être choisi. Donc il faut que je trouve un stage ou une expérience professionnelle qui soit valorisante. J'avais plusieurs propositions dans ma tête. La première, c'est YouTube. YouTube, ça regroupe toute ma licence. La comptabilité, le droit des contrats, la gestion financière, la gestion de trésorerie, il y a tout qui est regroupé en fait dans ce seul métier. C'était plutôt pas mal, plutôt avantageux pour moi. Mais le problème, c'est que je suis auto-entrepreneur. En fait, je suis pas salarié de mon entreprise, je suis auto-entrepreneur. Donc je n'ai pas de tuteur en fait, je sais pas comment ça se passe pour les personnes comme moi qui aimeraient bien que ça soit ça en fait comme expérience professionnelle, parce que c'est un putain de métier youtubeur, c'est extrêmement polyvalent et c'est super bien, donc je pensais faire ça et trouver un tuteur prof dans ma licence, ou, et j'espère que ce serait possible, un tuteur responsable dans une autre UFR. Parce que j'ai quelques responsables administratifs que j'aime beaucoup, qui ont suivi mon parcours, et j'aimerais bien que ce soit eux mes tuteurs, quoi. Ou sinon, j'aimerais beaucoup faire un stage à Paris 1, avec un responsable administratif. Faire un stage à Paris 1, parce que moi, mon but, en fait, et je pense que vous le savez, mais j'aimerais énormément être prof à la Sorbonne, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est quelque chose que je voudrais beaucoup être prof. J'adore l'ambiance, j'adore ce qu'ils font. Ça me donne envie en fait. Et il y a quelque chose enfin qui me donne envie depuis 2 ans environ, sans vous mentir. Et c'est vrai que prof à Paris 1, c'est plutôt pas mal. Parce que tu peux être prof à Paris 1, mais aussi tu peux avoir quelque chose à côté. Tu peux avoir une entreprise à côté. Il y a beaucoup de personnes comme le prof Eminci, qui est un contrôleur des gestions de base. Et c'est un très très grand homme quand même. Et il fait cours à côté. Et je trouve que... Enfin moi c'est vraiment un modèle ce mec là par exemple. Parce qu'il enseigne très très bien et il a un boulot extraordinaire. Donc... C'est un modèle et j'aimerais bien poursuivre dans cette voie et pourquoi pas être prof à Paris 1. Moi c'est un truc de ouf parce que j'ai fait toutes mes études à Paris 1. Donc la première entrée elle a duré je crois 1 heure à peine. J'ai pas vu de caméra dans les amphis. Donc je pense qu'il n'y a aucun distanciel possible. Il n'y a pas d'amphi virtuel, il n'y a rien. On n'a toujours pas le planning des TD, donc c'est un peu inconvénient parce que demain j'ai mon inscription au TD de sport. J'ai vu le planning des TD de l'an dernier. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent, mais c'est vraiment pas fameux. C'est très dispersé en fait, dispatché, il y a beaucoup de trous. Et ça c'est vraiment une perte de temps. Quand j'étais en double licence, il y avait beaucoup de trous aussi. Et grosse perte de temps, c'est gonflant, c'est plus fatigant qu'autre chose. Moi j'aime bien quand c'est condensé, quand j'ai un jour ou deux de libre sans TD, sans rien. Parce que comme je travaille le week-end, j'ai besoin d'avoir une journée off en fait. Et c'est vrai que dans les TD, il n'y a pas trop de journées off. Hein. Il y a beaucoup de... Par exemple, il y a vendredi, il y a un seul TD. Enfin tu vois, tu viens pour un seul TD, donc tu perds déjà plus de 4-5 heures dans la journée pour un TD parce qu'il y a le trajet etc, donc bon voilà. Après je suis allée voir un pote de classe, on a fait un petit peu le tour de la Sorbonne, j'ai revisité un petit peu avec lui. Il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a eu des cafétérias en plus, enfin des cafétérias, c'est des distributeurs de café. Je crois qu'ils ont investi dans le café, c'est une bonne chose. J'ai vu un petit peu les amphis qu'on allait avoir, c'est des vieux amphis, Bachelard, Moury, Turgot, etc. C'est des vieux amphis, pas très pratiques, surtout le Turgot où c'est des rangées de deux, donc c'est pas fou. Il y a quelques profs qui nous ont dit, notamment celle d'informatique, qui nous ont dit que l'informatique ça serait pas du tout Excel, tout le bordel comme on avait fait l'année dernière, toute la programmation. Ça sera des stats et de l'informatique mélangée en un en fait, ça va être un truc en un, c'est horrible cette manière, je sens qu'elle va me... Ouh. Et il y a 3 heures de TD dispatché en fait dans la semaine. Et il y a aussi mon prof de maths du S1 en L2, le prof qui est horrible, où en gros j'ai eu des notes de merde, vraiment j'ai eu des 2, des 3, etc. en maths, une catastrophe. Et ben en fait on l'a au second semestre, ce même prof, et donc on pense très bien qu'on va tous se chier dessus. Et donc il nous a dit ouais, essaie de gratter beaucoup de points en S1 pour compenser les notes du S2 dans ma matière et tout. On t'en mode putain. Donc là j'étais en train de regarder un petit peu au niveau des plannings de TD.
ce qui pourrait m'arranger ou pas. J'ai vu beaucoup de TD le samedi. Le problème étant, c'est que moi j'aimerais bien être avec un pote de ma L2, parce que la 2 on travaille bien, donc j'aimerais bien qu'il soit avec moi. J'espère que ça se passera comme ça, j'espère que ça sera une bonne année où je serai avec ce pote de classe en plus. Donc voilà, voilà, je vais manger mes deux yaourts. Et on se retrouve juste après, je vais vous montrer des petites choses. Et je suis allée me chercher un petit bubble tea. Et donc c'est du thé vert jasmin au lait avec du tapioca. Donc je l'ai pris en grand et je le prends à Cha Time, à Belle Épine. C'est super cher là-bas. Vaut mieux le prendre dans les quartiers chinois par étresse si vous passez un jour par là. Vaut mieux les prendre là-bas, c'est moins cher et c'est meilleur. Mais j'ai que ça à côté et j'adore les bubble tea. Je trouve ça extrêmement bon. J'ai essayé de m'en faire moi-même, sauf que c'était dégueulasse. Donc voilà. Pour mon petit bubble tea. Et là ce que je vais faire c'est remplacer ces petits bacs là que mon père m'avait filé, mais ils sont pas vraiment ouf, hein, ils se détériorent assez facilement, et je vais mettre ma petite caisse qui vient de chez Shein. Donc je vais mettre des petites étiquettes vive la Dimo, j'adore cette Dimo, c'est un truc de ouf. Donc j'ai noté un petit peu tout ce qu'il y avait, donc logement, Truffaut, voiture, c'est le bac. Là c'est YouTube, donc je vais mettre ça dessus et ensuite je vais mettre les dossiers là-bas. Donc je vous montre le avant avec Prince qui fait chier comme d'habitude. Et voilà le résultat, c'est trop trop beau avec des petits étiquetages là comme ça, c'est trop mignon. Ça rentre juste... Putain Prince, t'es relou mon chat, mais qu'est-ce que t'es grand, t'as trop grandi hein. Donc voilà, tout est bien rentré, écoutez je suis trop contente, ça rend super bien et au moins c'est bien organisé, ça fait pas trop fouillis. Ensuite j'ai tout ce bazar de Shein, donc c'est toute la papeterie que j'ai commandée, donc faudrait que je l'ai sous la main. Heureusement que j'ai mes petites boîtes qui sont juste en dessous, donc je vais les ranger dedans. Donc ça j'aimerais bien l'avoir sous la main, mais je vais la laisser dans la boîte parce que ça fait très joli dans la boîte je trouve. Hop, on va laisser ça là. Ça, c'est super utile. Donc, hop, on va le mettre là aussi. Ces petites choses là, tout ça, je vais le ranger dans une autre boîte. Et j'avais rangé ça, en fait, tous mes petits post-it là-dedans. Donc là, je vais le laisser apparent parce que je vais beaucoup, beaucoup utiliser avec une petite lunette anti-lumière bleue là. J'ai donc rangé tous les petits post-it ici. Et j'ai écrit sur le monthly planner un petit peu ce qu'il y allait avoir. Donc là, rien de bien intéressant vu qu'il se passe rien. Il n'y a pas des devoirs à rendre, il n'y a rien. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce monthly planner, il est très très beau. Et les petits stylos que j'ai utilisés là, qui sont super jolis, ils sont trop trop beaux. C'est celui-là, le 05 que j'ai utilisé pour écrire. Et il est trop beau, il est un peu corail. Je voulais vous montrer le fondant au chocolat Lidl. Regardez comment il est. Oh, il est tellement bon. C'est un truc de ouf. Il me faisait envie, donc... Bah, j'en ai pris un. 30 secondes au micro-ondes et parfait. Voilà. Donc là, il est actuellement 15h, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, 15h moins le quart, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu de la part de Lalalab un livre photo. Donc je voulais vraiment en faire un de livre photo pour nos vacances, nos premières vacances avec mon copain. Donc on est allé à Saint-Jean-de-Mont, on est allé aussi chez mon père et ensuite on est allé à Montpellier. Donc j'ai fait un petit livre photo. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est la couverture qu'on ne choisit pas, c'est déjà comme ça. Et en gros, après, tu peux mettre les photos comme tu le souhaites. Donc déjà, moi j'ai mis... une petite image avec la ville Saint-Jean-de-Mont et la date à laquelle on est parti. Voilà, on va montrer ça, on va vous montrer ça. Voilà, quelque chose de très simple, de la bouffe. Donc là, on peut faire en fait des images en grand comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on peut faire des petites images comme ceci avec une écriture. Je crois que j'ai marqué notre premier barbecue, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire voilà, des grandes images comme ceci. Donc là, c'était à Montpellier et tout. C'était vraiment trop joli. Et je viens de voir que j'ai laissé sans faire exprès une page de vide. Donc je mettrai peut-être un mot ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en fait tu peux faire deux photos sur la même page. Vous pouvez mettre donc deux photos l'une à côté de l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça nous fait un petit souvenir pour les vacances, donc je vais la mettre dans la bibliothèque. J'ai un code promo pour vous qui est valable pour les anciens clients comme pour les nouveaux clients. Donc je vous mettrai juste là et en barre d'infos, je sais plus du tout ce que c'était. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'imprimer des photos. Moi, toutes mes photos viennent de chez Lalalab. J'ai beaucoup beaucoup acheté sur leur site au niveau des magnettes, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup acheté. Donc ça, je suis trop contente d'avoir eu mon petit livre photo. Et en parlant de magnettes... ma soeur elle a retrouvé dans sa voiture parce que bon, je les avais perdues pendant le déménagement, à mes petits magnets avec le nombre d'abonnés que j'avais. Donc j'avais en fait fait un magnet par tous les 1000 abonnés. Donc j'avais fait je crois que le 1000 je l'ai perdu et ça fait 1400, 2000, 3000, 4000, etc. jusqu'à 12000. Et celui-là j'aimais trop, c'est ma première vidéo, il n'y avait aucune vue et tout, genre enfin c'était, j'avais 4 abonnés, enfin
Voilà, c'est des vidéos comme ça que... Enfin, des magnettes comme ça que je garde précieusement parce que c'est très, très important pour moi. Donc, à chaque fois, je screen. Dès que je franchis un palier, je screen et je compte faire. Donc, je compte remplir mon frigo. Donc voilà, j'aimerais beaucoup atteindre les 50 000 sur YouTube. Ça serait archi bien, même plus. Genre, imagine les 100 000 et tout. Même si je pense pas que ça soit possible avec l'algorithme YouTube. Et sur Instagram, j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés. Ça serait trop bien. Enfin, à partir de 10 000 abonnés, et je sais toujours pas pourquoi, on peut vous envoyer les liens en swipe up, etc. Alors que en dessous de 10 000 en fait tu peux pas, donc c'est relou. J'ai aussi reçu ma première partie de commande Shein que j'avais commandé moi-même. J'attends la deuxième partie, comme ça je vous montrerai ça ce week-end. Je crois pas vous avoir montré, mais là j'ai un petit peu débarrassé tout. Donc avant il y avait le grille-pain, il y avait aussi la bouilloire, donc je les ai enlevés et je les ai mis en fait juste en bas. Donc là voilà, j'ai tout vidé en fait dans ce placard pour le mettre dans le sèche-toilette. Là aussi c'est vide, il y a juste les deux petits sacs, donc on a fait vraiment beaucoup de vide. Pareil là aussi on a vraiment vidé, comme ça ça éclaircit un petit peu, enfin on arrive un petit peu mieux à se repérer. Et en fait mon copain il a acheté ça, je pense pas vous l'avoir montré. C'est des tasses Nespresso, elles sont vraiment très jolies. Enfin en France c'est disponible qu'en trois tailles, donc la petite, la moyenne entre guillemets, la très très grande. Et il n'y a pas en fait l'entre-deux, parce qu'en fait les tasses elles peuvent se mettre les unes sur les autres, et là en fait ça marche pas. Donc on s'est dit c'est bizarre et tout, tu vois. Et on commence à regarder Nespresso en Belgique, au Luxembourg et tout le bordel. En fait il y a une autre taille qui est disponible, sauf que c'est disponible partout dans le monde, sauf en France. Donc on était très dégoûtés. Mon copain les a pris quand même parce qu'il y avait une petite promotion. Mais attendez, je vous reprends en face cam, ça sera beaucoup plus simple. Mon chacha qui veut sortir du bureau, allez viens mon cœur. Et en fait il est allé à Nespresso et il y a une dame en fait de Nespresso qui a dit bah je vais en Belgique jeudi, demain, si vous voulez je peux la ramener quoi la tasse. Oh, il était tellement content, il a dit oui et tout, donc j'espère vraiment qu'elle va nous ramener la tasse en Belgique. Et là il y a ma vidéo d'hier qui vient de sortir, il y a une abonnée qui m'a dit mais Célie en fait ça s'écrit avec un C et pas avec un S. Je suis morte. Donc bah, ça rend la chose plus débile, voilà. Donc je vais pas changer parce que je trouve que ça va bien, c'est loin. Tu sais, ça commence par un S et ça finit par un S. Bon, merci à l'abonné de nous avoir dit, puisque dans ma tête, j'étais à fond dans Célie avec un S. Bon, et eh bien ce soir, c'est pas la folie. Ça va être salade et œuf, voilà. On n'a plus grand chose dans le frigo. Il nous reste encore quelques haricots, des pommes, de la rhubarbe, donc vraiment pas beaucoup de choses. Nous avons des steaks, donc peut-être qu'on va se faire des steaks. Après les autres trucs, là ça se fait à la vapeur. Personnellement j'ai la flemme de faire un truc à la vapeur. Donc j'ai fait les courses dès qu'on est rentré en fait. Donc ça va faire combien de temps? Ça a donc fait 2 semaines et demie. Voilà, ça a fait 2 semaines et demie. Chaque fois ça nous fait ce genre de choses, entre 2-3 semaines pour les courses. Et encore on n'a pas fini, enfin on a acheté des pâtes etc, on n'a pas tout fini, le lait il y en a encore un peu etc, donc ouais il nous reste encore des petites choses, mais voilà, ça nous dure 2 semaines et demie généralement le retour de course que je vous ai montré la dernière fois là, le retour de course spécial rentrée. Donc on va aller faire les courses bientôt parce que là il n'y a vraiment plus rien. Alors pour les courses vraiment je n'ai aucune inspiration. J'ai mis lait, œufs, jus, boisson, cheddar, burger, enfin burger, je veux juste me faire des burgers moi. Viande, fruits, légumes, yaourt, céréales, petit déj. Voilà, c'est extrêmement général. Et j'étais en train de regarder aussi vos commentaires sous ma dernière vidéo. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, faire attention et tout, de mettre de la bouffe dans les toilettes, etc. Faut bien veiller à fermer la cuvette des chiottes pour pas que ça propage de microbes, etc. Parce que c'est vrai que dans les salles de bain, il y a souvent les toilettes dans les salles de bain et ça se dépose sur les rideaux, sur les tapis de douche, sur les serviettes, sur les brosses à dents, etc. Donc faut veiller à bien fermer la cuvette des chiottes. Nous on le fait de temps en temps, mais c'est vrai que là on va le faire tout le temps maintenant, comme ça ça va être nickel chrome pour le sèche-toilette. Merci à l'abonné qui m'a envoyé la petite vidéo pour me montrer, etc. Mais en tout cas, tout ce qui est dans le sèche-toilette est hermétique, genre tout est fermé dans des bocaux ou c'est des conserves, ou enfin ça c'est pas des produits ouverts en fait. C'est pour ça qu'on avait retiré les patates et les oignons. Mais sinon tout est fermé hermétiquement. Et il y a une abonnée qui m'a dit ouais, essaye de mettre la nourriture du sèche-toilette dans le dressing et mettre les produits ménagers en gros dans le sèche-toilette. Le problème c'est que j'ai juste peur
pour Prince au niveau des produits ménagers. C'est juste ça qui m'en empêchait. Mais de base, on voulait les mettre dans ses toilettes. Après, on a vu la litière et tout. On a vu que Prince, bah, il allait beaucoup dans ses toilettes. Ça me faisait peur pour les produits ménagers. C'est juste ça. Donc, le programme de demain, j'ai mes inscriptions pour le sport demain à 12h. Faut vraiment pas que je les loupe parce que ça va être la guerre, là. C'est la guerre. Ensuite, faut que j'aille chez mon médecin pour avoir mon certificat d'aptitude au sport. Je vais y passer, je ne sais pas combien de temps là-bas. Donc, je vais essayer de l'appeler avant pour lui dire, ouais, est-ce que tu peux me faire passer, genre, hop, en 5 minutes. Parce que moi, je prends littéralement 5 minutes, même pas. Alors que les gens là-bas, quand ils y vont pour 45 minutes à chaque fois. Genre, chaque personne, c'est 45 minutes. Genre, c'est chiant, j'attends chaque fois 5 heures là-bas. 5 heures, ils ne prennent pas de rendez-vous. Et les médecins qui prennent des rendez-vous, ils ne prennent pas des nouveaux patients. Donc, c'est chiant. Vendredi, on attaque le tri des vêtements avec Vinted et tout. Samedi, ça va être Vinted. Donc, tout sera en ligne normalement. Et je ferai ou même avant, ou même le vendredi soir. Je vais essayer de faire ça. En tout cas, samedi, vous pouvez commander et tout sur le Vinted avec un code promo. Vous inquiétez pas, je vous l'annoncerai sur Instagram comme d'habitude. Et voilà, après la vente Vinted, je vais essayer de tout virer. Garder uniquement les choses que je veux pas donner, que je veux vraiment vendre parce que ça m'a coûté cher. Mais sinon, le reste va virer. Donc voilà, c'est la dernière grosse vente Vinted, je pense, avant longtemps. Voilà pour cette vidéo. Il est actuellement 19h30. Donc au moins, ça c'est bon. Cette journée est passée, cette pré-rentrée est faite. Donc bah, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain 16h30 pour un nouveau vlog. Bye bye.